Salut tout le monde! Cette semaine, un petit exercice sur les ornements à partir d'une chanson que j'adore et que vous connaissez qui est Shores of Loch Brown, d'après la grande, l'immense Dolores Keane. Sit you down, loyal comrades. Sit you down for a while. Till I spent my last hours around Erin's green isle. Come fill up your glasses and we'll drink hand in hand. For tomorrow I'll be the shores of Loch Brown, qui est une chanson d'exil et de départ et de ce que l'on chantait dans les wake songs, les soirées d'adieu à ceux qui allaient partir, qui allaient prendre un bateau. Alors, on va le détailler un petit peu, ce premier couplet, et puis ensuite, je vous laisserai avec Dolores. Je vous ferai des fichiers ralentis pour que vous puissiez écouter précisément ce qu'elle fait, parce qu'elle a cette intelligence du bon chanteur de changer ses ornements très légèrement d'un couplet à un autre pour mettre en valeur des syllabes différentes. Alors, sit you down, down, ça c'est un tap. C'est, on démarre par la note en dessous de celle à laquelle on va arriver. Sit you down, down. Donc ça c'est un cut vers le haut, plus un tap en dessous, et ensuite on va ailleurs et on va aller sur la syllabe low de loyal. Sit you down, loyal comrades. Encore un cut plus un tap qu'on va appeler un roll. Ah, raids. On va ailleurs, on descend. Raids, sit you down. Encore un tap sur le sit. Sit you down for a while. Et là, on a un roll important parce qu'il fait for a while. Et ça nous donne une septième majeure. Et c'est la première et la dernière fois qu'elle va nous la chanter. À partir de là, toutes les septièmes seront mineures. Et elle aura installé son mode mixolydien. C'est comme si cette fin de première phrase, asseyez-vous, loyal camarade, et prenez le temps d'écouter ma chanson, sous-entendu, qui démarrait, ce type de phrase démarrait beaucoup les chansons anciennes. À partir du moment où on est assis, hop, on change de mode. C'est un petit peu pervers, j'aime bien cette façon de faire. Je ne sais pas si cette note, elle l'a fait exprès ou pas. L'enregistrement est en live. C'est une grande chanteuse. À mon avis, elle n'a pas été déstabilisée par l'audience et elle l'a fait exprès. Mais bon, ça n'est que mon interprétation de la chose. Till I spent... Encore un cut sur le till. Till I spent my... Sur le my, encore un. My last hours. Là, une succession de rôles. Around, 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 Erin's green isle, green, green isle. Come fill up your... Une succession de tapes. C'est tout simple en fait, hein. C'est vraiment très facile à faire. Et ça, moi je trouve que ça a un effet bœuf. Come fill up your glasses. Et là, un truc incroyable, je vais vous le refaire en ayant respiré. Come fill up your glasses. Elle rajoute à la fin de la note longue qui est censée être la dernière note de la phrase, elle rajoute encore un petit roll. Ça, c'est pour relancer. C'est une sorte de cliffhanger.
And we'll drink hand in hand. Alors ça, j'aime beaucoup. Drink hand in hand. Il y a un tap, une note additionnelle sur laquelle elle prend vraiment le temps, et re-un tap. Donc, deux ornements rapides qui encadrent un ornement lent. Je vous le refais. Come fill up your glasses and we'll drink hand in hand and we'll drink hand in hand for tomorrow I'll be leaving the shores of Lochbran. Alors, dans cette double dernière phrase, il se passe pas mal de choses. On commence par un tap. For tomorrow, morrow, morrow I'll. Encore une fois, elle lit deux mots comme elle a fait avec loyal, down loyal, tout au début. For tomorrow I'll be leaving the shores of Lochbran. Et il y a beaucoup de place sur leaving pour faire plein de choses différentes. For tomorrow I'll be leaving. Moi j'adore ça. Been. On est très en suspens avec cette note-là. Leaving, leaving what? Leaving the shores of Lochbran. The Bran. On démarre vraiment en dessous du 1 de la chanson. The shores of Lochbran. Donc voilà pour les ornements. Je vais vous mettre le lien pour aller retrouver les sons de l'original. Mais aussi, je vais vous faire deux fichiers ralentis. Un à 20%, moins 20%, un à moins 30%. Pour que vous puissiez écouter bien ce qu'elle fait et le reproduire sur elle. Je vous mettrai aussi le texte, puisqu'il est très simple, il y a trois couplets. C'est vraiment une chanson qui est courte, mais qui a un effet incroyable. J'envisage peut-être de nous l'arranger à plusieurs fois pour le reste de l'année, mais je verrai ça pendant les vacances de février. Alors, le mode, on est en sol. Sit you down. On démarre sur la tierce, sur le 3. Si, ta da da, sit you down. Et le premier ornement, le premier tap, il arrive sur la quinte. Donc, on a triomphalement posé qu'on était dans un mode majeur. Sit you down, loyal comrade. Et là, elle met la septième mineure. Sit you down for a while. Et là, elle met la majeure. Donc tout de suite, elle nous déstabilise, quoi. Qu'est-ce qui se passe? On est en majeur, en septième majeur, septième mineur. On est en majeur normal ou on est en mixolydien? Question. Till I spent my last hours around Erin's green eyes. Papa, papa, on finit nos phrases sur le 5. Erin's Green Isle, proud to be Irish. Come fill up your glasses and we'll drink hand in hand. Papa, on finit encore sur le 5. For tomorrow I'll be the shores of Lochbran, Loch septième mineur Bran, the shores 5, 6, 7, the shores of Lochbran. Allez, c'est à vous maintenant.